L'Hollandais Soares s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! Ça montrait et ça résumait le football à la nantaise qu'on pouvait jouer à ce moment-là. Que j'ai pu mettre contre le PSG à la Beaujoire, où on avait gagné 1-0 contre l'équipe très en forme de l'époque. Et j'avais marqué un très très beau but à Bernard Lama. Pas mal de gens s'en souviennent. Et c'était un but extra avec un 1-2 en l'air. Et je pense que les gens ont pensé à ce moment-là, comme moi, que ce but, c'était vraiment ce qui représentait le FC Nantes à ce moment-là. Et je crois que ça, c'était super important. On m'en parle très, très souvent, hein. Je pense que tous les gens qui connaissent le football et qui ont pu voir des matchs à ce moment-là se rappellent de ce but-là. Alors souvent, ils se trompent parce qu'ils pensent que c'était au Parc des Princes, ils savent que c'est contre le PSG, mais non, c'était bien à la Beaujoire devant notre public. Je pense que c'est un but qui restera. Ça montrait et ça résumait le football à la nantaise qu'on pouvait jouer à ce moment-là. Et Chiodo était vraiment l'entraîneur qui a pu galvaniser et faire monter cette équipe au plus haut niveau et la faire jouer comme il avait envie. Ce qui me vient en premier, c'est surtout le moment où Reinaldo Pedros me la rend et que je frappe sans contrôle de l'extérieur du pied droit et que le ballon va se loger dans la lucarne. C'est le dernier moment avant que le ballon rentre dans les filets. Ça, c'est ce que je me rappelle. Et puis après, l'explosion de joie, bien sûr, avec mes coéquipiers. On est rentré après au vestiaire. Bon, j'étais content, on avait gagné, j'avais marqué un but, mais tous les joueurs et les dirigeants sont venus me voir en me disant que le but était extraordinaire, alors que je n'avais pas cette sensation-là. C'est après, quand j'ai pu, dans le vestiaire, le voir dans les petites lucarnes, les petites télés qu'il y avait dans le vestiaire à ce moment-là, que j'ai pu contempler et apprécier le but. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, c'était un but important et un super but, ouais.